Alors Audrey, donc comme j'avais commencé à te le demander sur YouTube, je voudrais savoir un petit peu qu'est-ce qui t'a amené au domaine de l'éducation canine, parce que tu viens donc du journalisme de base. Journalisme. Tu es coach en comportement canin, pardon, et tu es auteur du livre donc Le chien, cet animal qui nous échappe, qui est sorti en 2021 maintenant. Moi, j'avais découvert En 2020, en 2020, d'accord. pardon, en 2020, Oui, autant pour moi. déjà, ça va vite. Ouais, ça va vite, ouais. Moi, je t'avais découvert via ta page pro, donc Facebook Cynoconsult, il y a plusieurs années maintenant. Donc, je présuppose que de tes restes de journaliste, tu avais gardé justement cette prose et le fait de vraiment écrire des articles de fond sur tout ce qui touche à l'éducation canine, aux chiens, même de manière générale. Et voilà, moi je t'avais découvert donc via ça quand tu as sorti ton livre il y a 2 ans maintenant. Donc moi je l'avais vraiment acheté les yeux fermés. Et je voudrais savoir donc justement qu'est-ce qui t'a amené donc du journalisme à ça. Voilà, comment est-ce que tu t'es formé? Quel est ton parcours? Qu'est-ce qui t'a amené sur ça? Alors, en fait, souvent cette question, elle m'est posée et les gens pensent que j'étais journaliste et qu'ensuite je suis devenue éducateur canin. Non, en fait, j'ai toujours été éducateur canin. J'ai commencé quand j'avais 16 ans. D'accord. Et ensuite, je me suis orientée vers le journalisme parce qu'à l'époque, c'est pas que c'était pas un métier, mais c'était pas envisageable, en tout cas à cette époque-là, de dire je voudrais devenir éducateur canin. D'accord. Donc j'ai fait mes études et je suis devenue journaliste, mais moi j'ai continué à faire en gros dans la prolongation de ce que j'avais fait avec mes chiens pour d'autres personnes, donc de manière bénévole, hein, on m'appelait régulièrement. Lorsqu'il y avait un problème avec le chien, avec un chien, on m'appelait. Il faut demander à Audrey, elle sait. Voilà. Et puis, je suis devenue journaliste. Et après, durant ma carrière, j'ai commencé à pratiquer vraiment. C'est-à-dire que j'étais payée pour le faire. Et puis, au bout d'un moment, au bout de 15 ans de journalisme, j'en ai fait le tour, j'en avais assez de ce monde-là et j'ai décidé de me reconvertir. De me re reconvertir, pardon. Mais du coup, voilà, j'ai repassé mes études, j'ai refait des formations, j'ai fait des. Bon, j'ai toujours beaucoup lu depuis mes 16 ans, beaucoup lu de livres sur le chien, que ce soit Ruggas, que ce soit Barry Eaton, Isabelle Vieira, ben, tous ces auteurs-là, moi je les ai lus avant même de commencer vraiment les formations. Lorsque je suis arrivée en formation, déjà la pratique et le bagage théorique. Et ensuite, je me suis formée. Donc en fait, j'ai pas été journaliste et ensuite éducateur. J'ai été les deux de manière concomitante. D'accord, ok. Et évidemment, le journalisme, après, m'a aidée pour tout ce qui relève de l'écriture. Lorsque j'ai commencé, lorsque j'ai créé le blog Facebook en 2015, bon voilà, la facilité d'écriture, elle vient des études littéraires, des études de journalisme qui vous forment à l'écriture et au fait de pouvoir transmettre les choses clairement. D'accord. Ok, ouais, moi en fait, je te posais cette question parce que. Je sais que de mon côté, il ne se passe pas un mois sans que j'ai au moins une personne qui me demande justement quel type de formation effectuer, vraiment vers quoi se lancer, puisque c'est vrai que bon, en France, voilà, il y a le brevet professionnel, le diplôme d'État, il y a des formations privées, il y en a qui sont très bien, il y en a voilà, qui sont vraiment très, enfin, pas bien du tout, on va dire. Toi, j'ai vu sur ton parcours que tu t'étais formé via, notamment, entre autres, évidemment, via Joël de Haas en Belgique. Et voilà, donc justement, je voulais savoir un petit peu, toi, enfin, à une personne qui te poserait cette question, vraiment, quel type d'études, quel type de formation, enfin, vers quel type de formation est-ce que tu orienterais justement une personne qui veut être éducateur canin? Alors, compte tenu de mon parcours,
c'est important aussi d'être sur le terrain et d'avoir aussi sa propre vision des choses. Alors évidemment, les formations sont nécessaires, mais ce qui est aussi très, très important, ce qui est essentiel, c'est aussi d'avoir sa vision des choses. Et si je parle de mon parcours, je n'ai pas été formatée. C'est-à-dire que j'ai commencé à 16 ans avec un éducateur canin, avec mon premier chien, avec mon premier berger allemand. Et j'ai commencé à travailler très tôt avec lui, mais très vite, je me suis éloignée. J'ai fait un pas de côté parce que même s'il m'a appris beaucoup de choses, il y a aussi énormément de choses avec lesquelles je n'étais pas d'accord, qui relèvent évidemment de la méthode traditionnelle qui, lorsque j'avais 16 ans, déjà me paraissait tout à fait saugrenue. Mais je ne voulais pas me comporter comme ça et je ne voulais pas. Et pendant longtemps, j'ai travaillé toute seule. J'ai appris toute seule, enfin toute seule, avec des auteurs, avec des livres. J'ai appris et j'ai appris en travaillant avec mes chiens, en pratiquant, en vivant avec des chiens au plus près, par l'observation. Mais je ne me suis pas laissée bourrer le crâne de bêtises. Alors à l'époque, je n'avais pas cette réflexion-là. Hein. Je me disais, je ne le verbalisais pas comme ça. Je ne disais pas, ce sont des bêtises. Ça ne me correspondait pas. Voilà, tout simplement, du coup. Voilà. Et alors, j'ai fait les choses à ma manière. J'ai probablement fait des erreurs. Mais en tout cas, j'étais éthique, on va dire. C'est déjà une bonne chose. Et puis, avec les livres, j'ai appris beaucoup, beaucoup de choses sur le comportement, sur les besoins, sur l'éthologie, sur ce qu'est un chien, l'espèce en elle-même. Et à partir de là, ensuite, j'ai lu les bouquins de Joël Dehaze, je les ai tous lus. Je crois que j'ai vraiment lu tous ses livres. Thury Drugas, évidemment. Et puis, au fur et à mesure, j'ai appris beaucoup comme ça. Alors, je ne dis pas que c'est un exemple à suivre, je dis que c'est mon parcours, c'est la question que tu me poses. Ensuite, j'ai suivi des formations. J'ai voulu vraiment avoir une certification et que quelqu'un me dise, oui, tu sais, oui, tu es capable, tu peux créer une entreprise et être payé pour les services que tu vas donner. Parce qu'il y a ça aussi, c'est que, bon, on peut travailler comme ça, à gauche, à droite, bénévolement. Ou pour se faire un petit peu d'argent quand on est jeune, mais à un moment donné, si on veut s'installer, il faut une reconnaissance. Donc là, j'ai passé une première formation à Arras, qui est une formation d'éducateur et une formation de comportementaliste, avec un éducateur canin qui était proche de la retraite. Et là aussi, même si là, on était sur quelque chose de déjà bien plus positif, on était encore sur des méthodes traditionnelles, avec D'accord. lesquelles je n'étais pas d'accord. Donc, bon, j'ai passé cette formation. En me disant, bah, il me faut une formation, une certification, il me faut des heures, il me faut. J'ai fait ça. Et puis ensuite, j'ai cherché une formation vraiment où j'étais assurée qu'on n'allait pas me parler de hiérarchie, qu'on n'allait pas me parler de dominance, qu'on n'allait pas me parler de tout ça. Et pendant longtemps, j'ai écrit à Joël Dehaze. Et un jour, il m'a répondu, il m'a dit, voilà, je vous intègre dans la formation c'était 2017. Voilà, ça a duré 2 ans. C'est une formation de 2 ans, une première année en théorie sur le comportement. Là, pour le coup, c'est vraiment du comportement, c'est vraiment très pointu. Je ne sais pas si parmi les gens qui sont ici, certains ont suivi les formations du docteur Dehaze, mais elles sont vraiment pointues. Il y a de l'exigence. C'est précis sur la psychologie, sur les émotions, sur l'éthologie. Et au terme d'un an, pour pouvoir passer l'examen, il y a une année supplémentaire où vous devez réunir 50 cas cliniques que vous avez accomplis seul. Au terme des 50 cas, vous les envoyez au docteur de Haas et là, il vous ouvre le droit à l'examen. Et là, le 51e cas, c'est un cas qui est imposé, que vous menez devant un collège de comportementalistes, enfin d'étudiants, et le docteur de Haas qui est là et qui mène, enfin vous menez la consultation et lui il est là au cas où évidemment il y aurait prescription de médicaments. Et c'est au terme de cet examen que la certification est donnée par le docteur de Haas
Voilà. Donc ça, pour moi, là, ça, là, quand j'ai eu ça, je me suis sentie vraiment légitime. Et c'est important pour moi de l'être. Alors ensuite, j'ai participé à beaucoup d'ateliers, de stages, aussi pour voir ce que d'autres faisaient, comment d'autres personnes travaillaient, parce qu'à cette époque-là, moi, j'étais déjà dans la rééducation de la réactivité, des réactivités, parce qu'il y en a plusieurs. J'aime pas quand on dit la réactivité, la rééducation des réactivités. Et du coup, je suis allée voir ce que faisait Jérémy Serinda. J'ai participé à des stages dans la communication non verbale. Voilà. Donc aujourd'hui, je peux dire que dans les formations qui me semblent, mais là pour le coup, je ne l'ai pas vécu, je n'y suis pas allée, mais vraiment ce que fait Synopsis me semble vraiment non seulement éthique, mais pointu. Et bon, c'est sérieux. Voilà, j'ai tendance à demander quand les gens me disent on voudrait une formation de terrain, genre vers Synopsis. Après, ce fait Synotopia aussi, les formations en ligne qu'elle fait, parce qu'on dit les formations en ligne, il ne faut pas y aller, mais ça dépend lesquelles. Oui, Si on a exactement. déjà une formation de terrain, si on a déjà un bagage, on a fait une formation de terrain, on peut ensuite aller vers des formations, des webinaires. Ne faire que ça me semble limité, parce qu'à un moment donné, il faut se confronter quand même au chien, il faut pratiquer, il faut être sur le terrain, il faut faire des stages. Donc, bon, et puis évidemment, les formations flash éclair en 3 jours, devenir éducateur comportementaliste sans jamais approcher un chien, non, ça, faut pas y aller. C'est dangereux, et puis c'est pas honnête. Enfin, c'est pas. Je parlais tout à l'heure, enfin, à un moment donné, on a besoin de se sentir légitime. Et qu'une personne qui a de l'expérience vous dise oui, enfin, vous dise que vous. Enfin, on en a besoin. En tout cas, moi, j'en ai eu besoin. Moi, les jeunes n'allaient pas vers les formations fulgurantes en ligne où on vous dit que vous allez être capable en 3 jours de gérer un client et son chien sans avoir approché ni un client ni un chien, jamais. Et en tout cas, éduquer un chien en 21 jours, c'est pas possible. C'est pas possible. Très bien, très bien. Non, bah, je te remercie pour le clin d'œil. Oui, après, alors là, les deux formations que tu transmets, je te remercie aussi pour ça. Moi, c'est vrai que je les connaissais de loin, mais je n'avais pas forcément là de retour. Pour le coup, je te remercie pour ça. C'est vraiment une bonne chose. Après, oui, moi, je sais que de mon côté, bah, je suis formateur à CACED aussi pour un centre de formation privé, et oui, de voir que légalement en France on a droit, juste avec la CACED, d'être éducateur canin. Et quand je vois que moi, en tout cas sur la formation que je délivre, il y a à peine une dizaine de diapos, donc 15 minutes sur 2 jours de formation, et qu'avec ça on peut être éducateur canin, c'est assez limité. Mais en tout cas, oui, voilà, moi je. Puissant, ça c'est sûr, hein. Tout à fait. Mais je te remercie parce que c'est vrai que voilà, moi j'ai souvent tendance à dire qu'on peut être éducateur canin en autodidacte, en se formant, mais après, voilà, comme tu le dis, vraiment choisir des formations de bonne qualité. Et je te posais aussi cette question par rapport à cela, puisque je sais que voilà, tu n'as pas ton diplôme d'État, et bien sûr, ce n'est pas une panacée, parce qu'il y a aussi des BP d'éducateurs canins qui ne sont pas forcément top non plus, mais c'est pour ça que voilà, c'était vraiment intéressant d'avoir ton point de vue par rapport à ça. Donc je voudrais maintenant te poser la question, enfin voilà, que tu nous expliques un petit peu l'origine de ton livre, pourquoi tu as écrit un livre alors qu'il y en a au moins une bonne centaine, je pense, sur le marché. Et voilà, est-ce qu'il y aurait une suite de prévues? Est-ce que voilà, comment est-ce que tu peux nous présenter ton livre, s'il te plaît? J'ai eu envie d'écrire ce livre parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, je lis beaucoup, j'ai lu beaucoup. Encore cette année, il y a beaucoup de livres qui sont sortis. Et en fait, à l'époque où j'ai eu envie de lire, d'écrire ce livre, je voulais un livre. Je ne voulais pas dire, moi je sais. Je voulais dire, nous avons tous à apprendre. Et c'est pour ça que j'ai intitulé le livre Le chien, cet animal qui nous échappe. Ça m'a été déconseillé parce que je m'intégrais dans ce nous. Et d'ailleurs, ça m'a valu quand même quelques
dénigrement, quelques opérations de dénigrement sur Facebook de personnes pas très bienveillantes qui ont dit, bah, au moins elle est claire, hein, elle fait l'aveu de son incompétence, elle s'intègre dans le chien. Alors, bah, si le chien lui échappe à elle, on n'est pas sorti de l'auberge. Bah, en fait, moi, j'ai voulu faire ça parce que je me pose beaucoup de questions. Sur le chien, sur les gens en général, sur moi, enfin, je suis quelqu'un qui, enfin, je m'interroge beaucoup et je me dis que tant qu'on s'interroge, ben, au moins on réfléchit. Et quand on arrête de s'interroger, ben, on n'a plus besoin de se casser la tête à réfléchir et c'est un danger. Et en fait, je ne suis pas quelqu'un qui dit j'ai tout compris sur le chien, venez me voir, j'ai la solution. Je m'interroge beaucoup et à chaque chien, il y a une remise en question. C'est difficile. Surtout que je travaille souvent avec des chiens, des cas difficiles. C'est difficile et dans ce livre, il y a une dimension humaine qui était vraiment importante pour moi, que je ne retrouve pas forcément dans les livres qui se posent quand même souvent. Et même si ces livres m'ont beaucoup appris, je ne les dénigre pas, attention, hein. Surtout pas, faut pas cracher dans la soupe, mais je regrettais l'absence de dimension humaine, de parler aux gens et de leur dire les difficultés que vous avez, je les ai eues. Et même si je suis professionnelle, je les ai parfois encore. C'est normal de ne pas réussir, d'avoir l'impression qu'on ne s'en sortira jamais, que ce soit avec son propre chien ou que ce soit avec le chien d'un client. Surtout qu'en plus, quand on est avec le chien d'un client, tiens, le paramètre du client lui-même, la dimension humaine, hein. Et du coup, je voulais dans ce livre parler de tout ça, parler de la dimension humaine, que ce soit accessible, que l'information soit accessible à tous, qu'elle soit limpide et vraiment être dans la transmission de quelque chose et pas dans le fait de dire « moi je sais, écoutez-moi, je vais vous apporter la solution ». C'est parce que s'il y a quelque chose que je dis souvent, c'est « moi je n'ai pas de solution ». Il n'y a pas de solution. Enfin, je ne peux pas apporter des solutions toutes faites, ça n'existe pas. Le chien, il est vivant et c'est tellement complexe. Et voilà. Et je voulais, du coup, dans ce livre, en l'intitulant Le chien, cet animal qui nous échappe, je voulais m'intégrer dedans et dire aux gens qu'on a tous à apprendre et que moi, ce que je sais, bah, c'est que je crois que c'est Socrate qui disait ça, ce que je sais, c'est que je ne sais pas. Moi, je le sais et je vais chercher, du coup. Mais voilà, c'est pour ça que je voulais écrire ce livre qui a été beaucoup aussi nourri des articles que j'écris régulièrement sur la page Facebook, d'articles qui se veulent compréhensibles par tous et qui abordent la dimension humaine autant que la dimension canine, parce que les deux sont très importants, essentiels. On ne peut pas travailler avec le chien si on ne travaille pas avec son humain. On ne peut pas aimer un chien et ne pas aimer son humain. Si on n'aime pas son humain, on ne peut pas travailler avec son chien. On peut pas, on fera pas progresser son chien. Et même si parfois c'est compliqué, on ne peut pas aimer tout le monde, même si on a parfois des qui sont compliqués, avec lesquels on a plus de mal à travailler, pour des raisons X ou Y, il faut trouver en la personne les qualités qui vont vous permettre de l'apprécier. Parce que ce n'est qu'à partir de là que vous arriverez à accéder à son chien. Ça c'est vraiment, j'en suis convaincue. Donc la dimension humaine dans le livre, dans ce livre, et dans celui sur lequel je travaille depuis longtemps, qui devrait, le prochain à sortir, la dimension humaine est essentielle pour moi. Ok. Mais ça déjà, oui, je pense que ça... Enfin... C'est même une ligne rouge de ton premier ouvrage, et ça, je pense que bah, ça transpire un petit peu de chapitre en chapitre. Moi, comme tu dis, c'est aussi quelque chose que j'avais beaucoup apprécié. C'est, bah, voilà, je vais pour reprendre ce que tu disais, c'est vrai qu'il y a toujours généralement une différence entre la théorie et la pratique quand tu lis un ouvrage d'éducation canine. Et alors que oui, dans le tien, voilà, tu as vraiment le facteur humain, et comme tu dis, après le fait aussi, à travers la mise en page, de mettre des photos, ça rend vraiment, voilà, la lecture, voilà, très, très accessible, quoi. Donc, oui. Ta philosophie de vie, je la partage beaucoup. C'est pour ça que oui, comme je te dis, moi j'avais acheté ton livre, les yeux fermés, mais
Mais justement, par exemple, enfin, pour parler de ta vision, moi, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est que, bon, ok, tu dis l'éducation traditionnelle. Je pense que tout le monde serait d'accord maintenant pour dire que c'est quelque chose de dépassé. Moi, je comprends même pas pourquoi est-ce qu'en 2022, on va continuer d'utiliser du matériel coercitif ou d'avoir, voilà, ou d'expliquer encore la théorie de la dominance, parce qu'il y a encore beaucoup d'éducateurs qui fonctionnent comme ça. Justement, comment est-ce que, enfin, quelle est ta vision, toi, de l'éducation, en tout cas de la compréhension du chien? Je sais que tu articules beaucoup ta réflexion ou ta compréhension, une fois de plus, autour des autocontrôles. Qu'est-ce que tu penses, toi, de l'éducation traditionnelle, donc de l'éducation coercitive, très vite fait, mais voilà, de toute façon, je pense que ta philosophie parle pour ça, mais justement, toi, qu'est-ce qui t'anime ou qu'est-ce qu'on doit comprendre concrètement dans le chien pour avoir un chien bien dans ses pattes? L'éducation traditionnelle. Alors juste, je fais une pause parce que je vois qu'il y a des personnes qui disent dommage, c'est dommage. Je voudrais savoir ce qui se passe, pourquoi certaines personnes disent que c'est dommage. Cette vidéo sera-t-elle disponible en replay? Oui, moi je suis en train de tout enregistrer et je la reposterai ultérieurement. Ah, Donc ben oui, pour voilà. les personnes qui prennent ça en compte, voilà, on n'a pas pu Voilà. assurer le direct, mais on essaiera d'assurer une rediffusion correcte. Voilà, c'est chouette. Églantine dit que c'est chouette. Vous inquiétez pas, Romain vous fait un replay. Donc, je disais, l'éducation traditionnelle, moi, je l'ai jamais pratiquée. Enfin, lorsque j'avais 16 ans, avec mon premier berger allemand, Kazan, lorsque j'ai travaillé avec un premier éducateur où j'allais pour éduquer mon chiot, là, voilà, et dès le départ, je me suis écartée de ça parce que je ne voulais pas. Je ne voulais pas faire ça. Donc, je ne l'ai jamais pratiqué. Donc, si vous voulez, aujourd'hui, moi, quand je vois des gens le pratiquer encore, oui, je suis d'accord, ça n'a pas de sens, mais c'est comme ça. Chacun son rythme, et puis, ils y viendront. J'ai aussi rencontré beaucoup d'éducateurs qui ont travaillé en traditionnel et qui ont changé leur fusil d'épaule, qui se sont remis en question. Et à un moment donné, puis on n'est pas bien quand on travaille en traditionnel. C'est ce que me disaient certaines personnes que j'ai rencontrées, soit en conférence, soit lors de stages. J'étais pas bien. Ils me disent, j'en avais marre de faire ça. Enfin, ça ne m'allait pas. On peut pas sincèrement aimer travailler dans cette philosophie-là. Je pense que chacun y viendra. Mais il faut laisser le temps au temps. Et puis, il y a suffisamment sur les réseaux d'éducateurs comportementalistes qui écrivent aujourd'hui très bien et qui expliquent bien les choses. Et tout doucement, on a là toute une vague, une génération d'éducateurs qui n'aura jamais travaillé en traditionnel, jamais, qui ne sera jamais passé par là. Et même ceux qui sont passés par là et qui ont changé, c'est pas grave. Donc non, l'éducation traditionnelle, moi je ne la pratique pas, je ne l'ai jamais pratiquée, je ne la cautionne pas, je ne la comprends pas, elle ne correspond pas du tout à la psychologie, elle ne respecte pas les émotions, ce n'est pas une bonne méthode. Malheureusement, c'est une méthode qui est efficace, parce que Oui, elle inhibe le elle est chien, elle sous la atteint. contrainte. Sous la contrainte, on obtient tout. Et ça y est, la maltraitance avec les enfants, vous allez voir, ça marche, hein, sur l'obéissance. Ah bah oui, hein, donc avec le chien c'est pareil, le chien maltraité va obéir. Hein. Donc voilà, donc non, et donc moi, je travaille de manière, comment dire, je travaille sur les émotions, je travaille sur la personnalité, les humeurs, je travaille sur les motivations du chien, je vais observer beaucoup et je vais développer les autocontrôles. Donc je ne fais pas d'obéissance. Ça ne m'intéresse pas personnellement, donc ça je le dis quand les gens viennent parce qu'ils me disent qu'ils veulent que leur chien obéisse, je leur propose de travailler autrement. Quand ils me disent non, 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 nous on veut pas faire tout ça, on veut qu'il obéisse, je dis bah donc non, c'est pas moi, c'est aller voir ailleurs. Et donc je leur propose, moi je travaille sur l'adaptabilité, sur développer l'adaptabilité du chien. Donc si c'est un chiot. C'est pas très compliqué. Le chiot, on le met dans une situation sereine, dans une expérience sereine de l'environnement, quel qu'il soit, l'environnement humain, l'environnement extérieur, l'environnement canin. On lui fait vivre des expériences qui sont neutres,
surtout avec ses congénères, hein, donc on évite l'euphorie de la rencontre, on évite les rencontres où on ne fait que jouer, et on va éviter également de le stresser, de lui faire peur, donc on va être dans la neutralité, dans les choses sereines, dans l'observation d'interactions de qualité entre des chiens équilibrés, donc ça c'est pour la socialisation aux congénères. Et pour le monde des humains, on l'invite à observer, à analyser ce qu'il voit avec la distance, et on observe ses réponses et on va renforcer les réponses. Alors soit on renforce de temps en temps avec quelques appâts, ou s'il aime ça, ou si on se rend compte très vite qu'il n'aime pas ça, eh bien, on va renforcer avec une séquence de jeu, avec un bon on-off, on va le structurer, on va l'amener à tout doucement apprendre par l'expérience sereine de l'environnement, selon les règles du BAT, le Behavior Adjusting Training, qui veut que l'apprentissage se fasse sans stress, grâce à la distance, et que le chien, le chiot, le jeune chien, le chien réactif, puisse observer la situation, grâce à la distance, être dans une zone où il ressent ses émotions et il est en situation de pouvoir les accueillir. Donc il ressent des émotions, et on ne doit pas être dans une zone où le chien se moque éperdument de la présence du déclencheur. Il doit avoir conscience que le déclencheur est là et vivre une émotion qu'il est capable de maîtriser. Et en fonction de sa réaction, de sa réponse, on va renforcer. Donc le fait de détourner le regard, le fait de choisir de regarder le sol, de s'intéresser au sol, de regarder son humain derrière, on renforce. Donc tout ça, on développe les autocontrôles, on développe surtout l'intelligence émotionnelle. C'est fondamental, l'intelligence émotionnelle, c'est un peu synonyme, c'est le langage du cerveau. Hein, l'intelligence émotionnelle, ça a été théorisé par Daniel Goleman en 1946. C'est ce qui permet à tout individu, et pas seulement le chien, l'humain, le chat, tout le monde, enfin tout être sentient, d'être capable de reconnaître, de comprendre, d'accueillir l'émotion que l'on ressent et d'auto-réguler son comportement, d'adapter son comportement en fonction de l'émotion, en fonction de l'environnement. C'est l'intelligence émotionnelle qui nous rend adaptés, qui nous rend adaptables. C'est aussi l'intelligence émotionnelle qui nous rend parfois inadaptés à certaines situations. On a tous des situations dans lesquelles on est très mal à l'aise. Des situations qu'on va vouloir éviter. Tout le monde, c'est pas anormal. C'est l'intelligence émotionnelle. Le cerveau nous parle, le cerveau nous dit... Si je suis en colère, mon cerveau me crie « fais-toi respecter ». Ce besoin d'être respecté amène la colère. Chez le chien réactif, c'est important de le savoir quand même. Bien souvent, un chien réactif est dans la colère. On ne peut pas être réactif par peur. Attention, il y a aussi beaucoup de mélanges. J'entends des fois des chiens qui sont « mon chien, il est réactif par peur ». Non. Le chien, il est réactif, il est proactif. Un chien qui a peur, il n'est pas réactif. Il va être dans l'évitement. Donc, c'est attention à tout ça. Donc, ça, c'est les autocontrôles. C'est l'intelligence émotionnelle. C'était le fruit de la conférence que j'ai donnée, du séminaire que j'ai donné en Suisse ouais. Avec Stéphanie Huguenot de Medical Flair. Je la remercie d'ailleurs de m'avoir invitée. On a fait un séminaire de 2 jours qui était super. Sur les autocontrôles, sur l'intelligence émotionnelle, sur tout ce qu'on peut mettre en place sur la réactivité, à quel point les autocontrôles sont une aide, le développement des autocontrôles est une aide pour le chien, la rééducation du chien réactif, et à quel point il faut s'éloigner de l'obéissance. Parce que autocontrôle et obéissance, ce n'est pas possible. Ce sont des notions qui sont antinomiques. On ne peut pas demander à un chien d'obéir bêtement et à la fois lui demander de s'autocontrôler. Autocontrôle et contrôle, parce que l'obéissance c'est du contrôle, c'est pas possible, sinon c'est nous qui sommes schizophrènes. On peut pas dire, mon chien, parce que j'ai ça des fois, des gens qui viennent me voir et qui me disent, avec le chien qui a 18 mois, il obéit au doigt et à l'œil. Ça, super, c'est un chien qui obéit super bien,
Par contre, on ne peut pas le sortir, il est infernal. Il se met dans des états pas possibles, il voit un chien, il aboie, il veut y aller. Il voit quelqu'un, il veut y aller. Il veut, ou alors il veut le bouffer, ou alors il n'est pas adapté. Mais par contre, à la maison, il obéit, dans le jardin, il obéit, mais dès qu'il est à l'extérieur, il n'obéit plus. Mais on a complètement laissé tomber les autocontrôles de ce chien. À aucun moment, les autocontrôles ont été développés chez ce chiot, chez ce jeune chien ensuite. Et donc, l'obéissance, ça marche à court terme. C'est rassurant à court terme. Et ensuite, on se tire une balle dans le pied. Parce que l'obéissance, au doigt et à l'œil, aveuglément, déjà ça rend bête, c'est une insulte à l'intelligence du chien, et ensuite ça nous met dans l'obligation de contrôler. De contrôler. Et au bout d'un moment, les gens n'en peuvent plus de devoir contrôler des chiens comme ça. De devoir être là tout le temps pour leur dire tout ce qu'ils doivent faire. Mais si vous voulez que votre chien soit adapté, il aurait fallu l'éduquer autrement, et pas lui dire ce qu'il doit faire. Mais renforcer des comportements spontanés, des bonnes décisions. Des décisions, des choix, lui donner le choix. Qu'est-ce que tu choisis de faire dans cette situation-là? Qu'est-ce que tu veux faire, toi, avec ton émotion, ta personnalité? À toi, tu préfères gérer comme ça? Ok, c'est pas un problème de gérer comme ça, c'est un problème pour personne, on va le laisser gérer comme ça. C'est tout ça. Enfin voilà, les autocontrôles, je pourrais en parler pendant des... C'est quelque chose qui vraiment qui me passionne, mais pas seulement chez le chien, chez l'enfant, chez moi. Évidemment que quand je travaille les autocontrôles avec un chien, je travaille les miens. Quand je parle des émotions, je parle des miennes. Quand on travaille comme ça, on travaille sur soi. Et je trouve dommage et difficilement entendable qu'on ne veuille travailler que sur le chien. Il n'y a que le chien qui travaille, il n'y a que le chien qui doit gérer ses émotions. Ben non, c'est pour ça que c'est dur. C'est qu'il faut aussi se remettre en question, travailler sur les nôtres. C'est difficile, on a tous des difficultés. Il n'y a personne qui est un moine bouddhiste 24 heures sur 24. Hein. Voilà, ça c'est clair, il faut l'accepter. Et on ne peut pas demander à un chien de savoir se comporter et de s'adapter à tout quand nous, on ne fait aucun effort et qu'on voudrait juste qu'il obéisse. C'est éthiquement pas entendable. Moi j'entends et justement je voulais t'entendre sur ça. Voilà, dans la mesure où oui, comme tu l'as dit, la méthode traditionnelle pour moi c'est quelque chose qui est dépassé. La méthode positive, avec des guillemets, dans la mesure où on va rester sur de l'obéissance, où on va juste leurrer le chien ou l'obéir juste à la nourriture, etc. Comme tu dis, tout ça pour moi c'est des méthodes qui sont dépassées. On est d'accord que pour moi également la gestion des autocontrôles, ou comme dit CapDog, éducation, la méthode collaborative, en fait tout ce qui va amener le chien et l'humain à travailler ensemble sont évidemment, tout à fait, sont évidemment, enfin moi pour moi c'est l'avenir, enfin c'est même pas l'avenir, c'est juste du bon sens, mais maintenant qu'on s'en rend compte et que l'éthologie se développe d'autant plus, pour moi voilà, les personnes qui veulent éduquer leur chien, je les invite vraiment à s'orienter vers des professionnels qui vont travailler sur ça. À partir du moment où on va leurrer un chien, à partir du moment où on va inhiber un chien, évidemment, on va avoir des résultats qui vont être superficiels, comme on disait. Un chien par peur, on peut tout lui faire faire. Mais voilà, une fois que tu retires les outils de peur, une fois que ton chien va être livré à lui-même ou que l'humain ne va pas être là, bah, qu'est-ce qu'il va faire de lui-même, quoi. Alors que, comme tu dis, après les autocontrôles, et justement, on y viendra par la suite, le fait de travailler sur le chien, et tu l'as dit toi-même, ça permet justement de travailler sur l'humain. Moi, c'est vraiment quelque chose que j'adore dans ma pratique, c'est quand, justement, à travers la modification, on va dire le travail du chien, tu vas amener la modification ou le travail de l'humain derrière. Et pour moi, quand l'humain se modifie en même temps que le chien, c'est ce qu'il y a de plus, de plus intéressant. Mais il y a... C'est même plus que intéressant, c'est la clé. Oui, bien sûr. C'est la prise de conscience, et à partir du moment où l'humain modifie ses comportements, où l'humain se calme, où l'humain apprend lui-même à gérer ses peurs, et c'est pas facile, hein, parce qu'on a des humains qui sont dans la peur et qui doivent gérer un chien qui est dans l'action et la colère. Donc on a aussi comme ça des duos qui sont très compliqués, de personnes qui sont dans la dépression et d'un chien qui est lui hyperactif. Quand la dépression nous met dans l'immobilisme et qu'on doit gérer un chien hyperactif. Donc ça, c'est très compliqué. Mais à partir du moment où on a l'humain qui prend conscience et qui progresse sur lui-même, c'est à partir de là que le chien
va pouvoir avancer. Ben oui, parce que si l'humain est ralenti par son chien, le chien est ralenti par l'humain aussi. Et tu parlais des méthodes positives, je voudrais y revenir parce qu'on en a longuement parlé lorsqu'on était en Suisse avec Stéphanie Huguenot. C'est que aujourd'hui aussi, attention à la méthode positive, parce que pour moi, cliquer en distribuant des appâts, parce que le chien a fait assis, parce qu'on lui a dit assis, cliquer parce que le chien a fait coucher et donner une croquette, cliquer parce que le chien a fait. En fait, le chien, il est en train de faire quoi? Il est en train d'obéir. Mais c'est positif. Donc les gens pensent que, ben non, ben moi je suis dans la méthode positive, mais moi, mais avancer, ça c'était OK il y a 10-15 ans. Là maintenant, il faut avancer. Faire ça, c'est pas positif. Le chien, il ne peut pas passer son temps à faire les choses parce qu'on les lui demande, des ordres, mais c'est positif parce qu'on clique et qu'on donne une récompense. Au final, est-ce que ce chien, il apprend à se comporter? Est-ce que ce chien, finalement, il apprend à s'adapter? Non, il sera toujours là à attendre que vous lui disiez quoi faire, sauf que lui, il aura une croquette. Alors, c'est mieux, hein, bien sûr que c'est mieux que de lui dire, si tu le fais pas, tu t'en prends Oui, tout une. à fait. Dans le clicker est un outil qui est extrêmement important dans la rééducation de la réactivité. Évidemment, qu'on va cliquer précisément les comportements que l'on attend, les comportements que le chien va proposer, on va les renforcer. Mais je ne suis pas d'accord avec cette méthode qui consiste à éduquer des chiots avec un cliqueur en leur donnant des ordres constamment. Bon, aujourd'hui, on va prendre le assis, le coucher, après, on va apprendre ça, on va lui apprendre, et puis on ne fait que lui demander des choses. Mais à quel moment on regarde ce que le chiot est capable de proposer? Il propose tellement de choses, tellement. Et je regrette tellement des fois de voir que les gens me disent, mais quand est-ce qu'on va lui apprendre à la position comme ça, t'es mort, fais ceci. Ben, on va peut-être y venir, mais là, si vous voulez, votre chiot, pendant que vous me parlez, en fait, il est en train de proposer des choses que vous ne renforcez pas parce que vous ne le regardez pas. Et Ou qu'il parce est que en vous ne le droit comprenez pas. de sa manière et vous ne le comprenez pas. Mais souvent, les gens ne le regardent pas. Tout à fait. Ils ne regardent pas. Ils sont trop occupés à quand est-ce qu'il va savoir faire ça? Et ça, vous pensez que dans combien de temps il saura. On est encore dans quelque chose là où la méthode positive, bah, évidemment qu'il faut qu'elle existe, hein, bien sûr, mais donner des ordres contre des récompenses, pour moi, c'est pas très positif. Ça reste de l'obéissance bien enrobée. Après, évidemment qu'il y a des choses à apprendre au chien, hein, le on-off, le rappel, c'est indispensable, ça s'apprend. C'est une demande, évidemment qu'on va demander des choses à son chien. Hein. Je ne suis pas non plus à dire qu'il ne faut rien demander au chien. Mais avec un chiot démarré ou avec un chien réactif, démarré par l'obéissance et croire qu'on va vaincre la réactivité du chien en le faisant obéir, c'est une voie de garage, hein. Ça ne marchera jamais. On est d'accord. On est d'accord. Et justement, alors en parlant de ça, bon, alors si on prend conscience justement du chien, et comme tu disais, voilà, si on avait la connaissance, parce que bon, c'est vrai qu'il y a encore beaucoup de personnes qui ne savent pas lire un chien, il y a encore beaucoup de personnes qui vont adopter un chien sans prendre connaissance de la race, voilà, des spécificités, ce genre de choses-là. Ça, après, là, comme on dit, il y a plein de livres, il y a vraiment plein de vidéos, il y a plein de choses qui existent pour que les gens se forment sur ça. Maintenant, c'est vrai qu'il y a encore des aspects qui peuvent être encore un peu flous. Donc, tu as parlé de l'intelligence émotionnelle, c'est vrai que ça se démocratise de plus en plus. Donc, il y a, oui, des formations, une fois de plus, pour voilà, qui parlent de ça. Il y a des ouvrages, comme le tien notamment, qui parlent de ça. Et tu parlais justement tout à l'heure, ça m'a fait penser à ça, d'une personne dépressive qui peut avoir un chien hyperactif. Dans tous les concepts de l'intelligence émotionnelle, il y a des chercheurs, je pense notamment à Boris Cyrulnik, qui avaient justement travaillé sur le principe de chien miroir. Et c'est vrai que quand on commence à prendre conscience, comme tu le disais précédemment, que certaines problématiques du chien peuvent être prises en compte à travers le prisme de l'humain qui a derrière le chien. Qu'est-ce que tu vas penser, toi, justement, de ces approches-là, des travaux, par exemple, d'un Boris Cyrulnik? Qu'est-ce que tu vas
Voilà, qu'est-ce que tu peux nous dire, toi, sur ça? Alors, justement, tout à l'heure, quand je prenais l'exemple de la personne qui est en dépression et qui a à gérer un chien hyperactif, on n'est pas du tout dans la théorie du chien miroir. Et justement, c'est important, enfin, bien sûr que la théorie du chien miroir, on la connaît tous les professionnels l'ont vécu avec leurs clients, qu'ils commencent à bien connaître à force des séances, et on se rend compte que il y a certaines qu'on va donc déjà la théorie du chien miroir, c'est je vais peut-être démarrer de là. C'est cette théorie qui dit que lorsque l'on parle de son chien, on parle de soi-même. Et que les difficultés du chien sont souvent les difficultés de l'humain et inversement. Alors oui, ça existe, mais je voudrais mettre un bémol à ça. Parce que ça autorise beaucoup de gens aujourd'hui, trop souvent, à dire que tel chien, tel maître. Si le Bien sûr. chien, mauvais maître. Si le chien il est méchant, il faut regarder qui est-ce qu'il y a au bout de la laisse. Et ça, enfin, je ne compte pas le nombre de phrases que je vois comme ça sur les réseaux. Dans les, et puis, dites comme ça, les gens ne se rendent pas compte de ce Naturellement, qu'ils bien disent. sûr, oui, bien sûr. Et moi qui travaille avec des gens qui doivent gérer la réactivité de leur chien, entendre ça, c'est d'une violence. C'est brutal. C'est un jugement. Et la théorie du chien miroir, elle existe, mais il y a des chiens qui ont leurs propres problèmes, hein. Bien Et sûr. l'humain, il n'y est pour rien. Voilà, comme je le disais, en fait, j'avais commencé ce préalable, enfin le direct sur la chaîne YouTube en disant que ouais, c'était ma. Bon, ça fait 4 ans que j'ai une chaîne YouTube, mais c'était la première fois que je faisais un direct. Il a fallu que je me familiarise avec tout un tas de logiciels. J'avais fait une douzaine d'essais sur les 10 derniers jours, mais tout marchait très bien, sauf ce soir, évidemment. Bref, on referme la parenthèse, donc. Voilà, comme je disais, en fait, je me suis mal exprimé peut-être sur la théorie du chien miroir. Moi, pour moi, ce que j'entends, c'est qu'il y a toujours un juste milieu. Oui, il y a d'une certaine façon certaines choses du chien qu'on va retrouver chez l'humain, certaines choses de l'humain qu'on va retrouver chez le chien. Après, évidemment, il n'y a aucune généralité à faire. Moi, je me souvenais d'un séminaire en anthropozoologie et cognition animale avec Guillaume Retzner, où justement, il avait parlé de ça et c'était aussi intéressant. Lui disait que sur certaines problématiques comportementales assez lourdes sur le chien, il accompagnait aussi l'humain. Donc lui travaillait avec une de ses amies qui est psychologue. Et pour le coup, c'était vraiment très intéressant de pouvoir creuser par rapport à ça. Donc moi, je voyais vraiment voilà, la théorie du chien miroir, les travaux de Boris Cyrulnik, entre autres, par rapport à ça. Évidemment, oui, il n'y a aucune généralisation à faire et je te rejoins clairement sur ça. Voilà, c'est pas parce que Oui, tu vas avoir un chien réactif que forcément l'humain derrière, il n'aime pas les autres humains, c'est pour ça que le chien est méchant. Mais voilà, là où je voulais mettre le doigt, c'est qu'il y a aussi souvent des pistes de réflexion à prendre en ligne de compte sur le fait que, comme tu disais précédemment, tout est de la faute du chien, alors que parfois, évidemment, si le chien peut se comporter comme ça peut aussi être de la faute de l'humain, non pas psychologiquement ou autre, mais comme on dit. Tu vas être stressé, tu vas prendre peur ou autre, tu peux modifier aussi l'état émotionnel de ton chien, etc., etc. Donc c'était plus comme ça que je l'entendais. Oui, alors là-dessus, en effet, on va travailler là-dessus. C'est pour ça que je disais que la dimension humaine est importante. Sur le contrôle, sur les gens qui ont tellement, qui ont tellement géré seuls leur chien pendant longtemps qu'ils sont entrés dans une logique de contrôle du chien et de peur. Hein. On Tout à fait. contrôle, quand on veut contrôler, c'est parce qu'on a peur. On veut contrôler ce qui nous échappe. Lorsque on a moins de peur, on ressent moins le besoin de contrôler. Ce qui appelle le contrôle, c'est la peur. Et du coup, lorsque l'on doit gérer un chien qui est très réactif, on a peur. On a peur de l'accident, on a peur de ne pas pouvoir gérer. Et c'est là que le coach entre en jeu pour mettre la personne en situation de travail serein, avec les moyens, les infrastructures, dans une situation où la personne va pouvoir se détendre. Et utiliser des outils, peut-être le clicker, travailler son timing dans une situation où, en tout cas moi je travaille beaucoup comme ça et ensuite
on passe à l'étape supérieure, mais pendant un moment, je vais installer l'humain dans une infrastructure sécurisée, dans un no man's land, où je vais faire intervenir des bénévoles, des faux joggeurs, des fausses voitures, selon les règles du BAT. C'est comme ça que Grisha Stewart travaille. Et on recrée un environnement sans stress d'abord pour l'humain, parce que l'humain sait que j'ai le toki, tous les bénévoles ont des toki, et en fait, il n'y a personne qui bouge, c'est moi qui dis. Mmh. Et la personne sait, voilà, là, il y a quelqu'un qui a un jogger qui va arriver, vous êtes prêts, voilà, on travaille comme ça. On démarre tout doucement pour que la personne se détende et qu'elle puisse, par l'expérience, se rendre compte que son chien est capable de faire des choses. Parce que, par contre, son chien, lui, il ne sait pas que c'est un faux jogger. Mmh. Il ne sait pas que c'est une fausse voiture. Il ne sait pas que c'est voilà, les copains qui sont là. Il ne sait pas. Mais l'humain le sait. Et du coup, l'humain se rend compte que son chien est capable de faire des choses là. Mais pourquoi il en est capable? Parce que vous êtes détendu. Parce que vous abordez les choses autrement. Parce que vous envoyez autre chose à votre chien. Et aussi parce que je vous mets un cadre rassurant, sécurisant. Et ce cadre qui vous sécurise, par ricochet, sécurise votre chien. Je passe par vous. Il y a un transfert, l'humain est utilisé comme transfert. C'est pour ça que je dis qu'il faut... On ne peut pas faire ce métier quand on n'aime pas les gens. Oui, tout à fait. Ce n'est pas possible. C'est parce que vous allez aider la personne, elle, que vous allez pouvoir aider son chien. Mmh. Et c'est pour ça aussi que la personne démissionne, que si la personne ne travaille pas, que si vous ne pouvez pas non plus accéder au chien. Elle est la clé. Et quand les gens auront... Je m'entends, c'est moi, c'est moi que j'entends. Je m'entends en stéréo. Qu'est-ce qui se passe? Mais j'ai absolument rien changé. Je pense que tout le monde t'entend normalement. J'ai entendu ma voix. Et d'accord, ok. Voilà, c'est fini. Et quand les gens auront compris qu'ils sont la clé de la rééducation, pas moi, pas leur chien, c'est eux. Et en fait, quand alors je dis quand, parce que souvent c'est le cas, hein, mais lorsqu'on a des humains qui démissionnent, qui attendent qu'il se passe quelque chose, qui attendent trop de vous, il est bon de leur rappeler, attention, c'est moi qui dois pouvoir compter sur vous, c'est sur vous que votre chien doit pouvoir compter. Vous êtes le transfert, c'est par vous que je passe pour pouvoir aider votre chien. Mais si vous ne travaillez pas, si vous ne m'écoutez pas, si vous ne me faites pas confiance, votre chien, je ne peux pas y accéder. Parce que sinon, je le prends, je l'emmène chez moi, je le rééduque, ça devient mon chien, je ne vous le rends plus. Mmh. Ouais, bah oui. Mais voilà, c'est ça, le coaching. Mmh. Et donc, évidemment que l'humain, les émotions de l'humain sont fondamentales, et c'est en ça qu'elles vont se répercuter sur le chien. Mmh. Ouais, moi, je te rejoins sur ça, je sais, sur l'une de mes formations, je ne sais plus laquelle c'était. On m'avait appris, je me souviens, c'était une phrase qui m'avait marqué, on m'avait appris, l'éducation canine, c'est 70% sur l'humain, 30% sur le chien. Et oui. il est évident, oui, après, moi j'ai connu des personnes, ouais, qui se tournaient vers le domaine du chien, voilà, parce que pour des raisons diverses, ils en avaient un peu marre de l'humain, donc se tourner vers les animaux, c'était très bien. Quand ils se rendent compte que être éducateur canin, tu travailles avec de l'humain avant tout. Alors après, il y en a qui se sont orientés sur les refuges, comme ça, voilà, c'était directement... Mais c'est vrai que oui, comme tu dis, c'est pour ça que oui, si tu ne t'intéresses pas à l'humain, tu peux pas être très très bon dans cette approche. Ah non, c'est pas possible. Et de toute façon, j'invite les gens qui veulent faire ce métier à se demander pourquoi, vraiment. Quand on veut... rééduquer des chiens, la dimension psychologique est tellement énorme, on veut forcément, forcément on s'adresse à nos semblables. Mmh. Et puis le chien est un animal social qui vit, dans notre société, ça a du sens tout ça. Je ne peux pas, les gens qui disent, moi j'en ai marre des gens, donc je vais rééduquer des chiens, ils ne vont pas être déçus. Hein. Oui, tout à fait. Mais justement, alors c'est intéressant.
Qu'est-ce que tu penses, toi, des gens, enfin, quel est selon toi, donc je vais reformuler au XXIe siècle, l'intérêt d'avoir un chien? Est-ce que le chien peut être vu justement comme une aide au développement personnel? J'entends par là le fait qu'avant, voilà, comme on disait avec la théorie de la dominance, on te disait qu'un chien, voilà, tu pouvais le laisser, enfin, dans la vision traditionnelle, le chien, tu pouvais le laisser 8 à 10 heures par jour, il attendait que son humain rentre, il pouvait regarder un mur, ça ne le dérangeait pas, du moment que quand il rentrait, il faisait son petit quart d'heure de pipi, et puis c'est tout. Justement, maintenant, avec la démocratisation de tous ces outils de connaissance, voilà, comme tu parlais tout à l'heure de l'intelligence émotionnelle, le fait que les gens ont de plus en plus conscience, justement, des besoins fondamentaux d'un chien, justement, quel est l'intérêt d'avoir un chien ou, enfin, moi, j'aimerais vraiment avoir ton point de vue sur ça. Justement, toi, dans ton travail, le fait que tu travailles beaucoup sur la rééducation, que tu accompagnes l'humain, qu'est-ce que, enfin, je sais pas comment te tourner ça, si tu le comprends comme ça, mais voilà, qu'est-ce que le chien peut apporter à l'humain? Quelle fibre est-ce que toi tu peux détecter, je sais pas, sur des chiens de tes clients? Comment est-ce que tu vas tourner le discours? Alors, ben ça, je vais te faire une réponse de Normand, ça va dépendre de l'humain. Il y a des humains qui... Alors, dans les fonctions, on va dire, parler de la fonctionnalité, la raison pour laquelle les gens veulent un chien. Il y a ceux qui y voient le moteur du sport, un motivateur sportif. C'est-à-dire que comme ils savent que... Alors, ils vont généralement aller chercher des chiens actifs, très exigeant, berger australien, on voit beaucoup de joggeurs avec des bergers australiens, avec des border collies, et du coup, il y a voilà, cet aspect vraiment, je vais me motiver parce que je vais devoir m'occuper de mon chien, parce que c'est un chat qui a besoin de faire du sport, donc je vais prendre un chien. Après, il y a la dimension affective, évidemment, ça on l'a vu durant le confinement, la compagnie. Les gens qui prennent un chien parce qu'ils sont célibataires ou parce que ce sont des personnes qui sont des personnes veuves, la dimension affective est énorme, c'est la compagnie. Il y a aussi la fonction de communication. On parle plus quand on a un chien, surtout enfin, quand on est seul, on parle à son chien. Parler à son chien, c'est ne pas tomber dans le mutisme, quand on vit seul, Je comprends. personnes âgées parlent à leur chien, heureusement, elles se maintiennent en communication et elles parlent à leur chien. Donc il y a ça. Et puis de toute façon, c'est prouvé que dans les familles avec un chien, on communique plus. C'est vraiment quelque chose, je pense d'ailleurs que c'est Boris Cyrulnik qui le dit Il me dans un de semble, ouais. ses livres. Après, il y a aussi la fonction éducative par rapport à l'enfant. Alors, attention, je ne veux pas être mal comprise, le chien n'est pas là pour éduquer l'enfant, mais c'est que l'enfant, à travers le chien, va se rendre compte qu'il y a des règles à respecter Tout à fait. lorsque l'on vit en société. Et que si son chien est capable de les respecter, il y a une dimension comme ça, une valeur éducative de l'enfant qui va aussi, en grandissant, vouloir apprendre des choses à son chien. Et donc, ça le place dans une situation aussi d'apprentissage, non plus l'apprenant, mais celui qui apprend, enfin celui qui enseigne. Et puis dans le soin, ça apprend l'empathie, à soigner son animal, alors le geste simple de le caresser, mais aussi le brosser. Ça, c'est très, très, pour un enfant, c'est voir ça ou voir ses parents le faire, voir ses parents s'occuper correctement d'un chien, le soigner, en prendre soin, le respecter. Ça a une valeur éducative qui est immense pour un enfant. Immense en termes d'empathie, de rapport à l'autre. On crée, ce sont des connexions qu'on crée chez l'enfant juste par l'observation de l'enfant qui voit ses parents bien s'occuper d'un animal. C'est très important. Il y a la dimension aussi des gens qui vont s'aider de leur animal pour aider les autres, le chien d'assistance, le chien médiateur. Le chien médiateur plutôt, et non pas le chien d'assistance, parce qu'il y a aussi le chien d'assistance qui est là en tant qu'acteur pour aider l'humain. Donc ça, c'est enfin, c'est énorme. Les fonctions, j'aime pas parler de fonctions du chien, c'est un peu bizarre de dire ça, enfin, je sais pas,
on se comprend, vous me Oui, comprenez, je j'espère. pense. Et puis malheureusement aussi, le chien est un faire-valoir. L'émission. Le chien est un faire-valoir. Il est le faire-valoir de. Il vient asseoir ce que l'on veut montrer aux autres, ou il vient apporter ce que l'on n'a pas. Alors on a la force, le chien qui va inspirer de la force et qui va être avec une personne fébrile, de petite taille, qui va se retrouver à devoir gérer un canet corso. Ou la beauté, les personnes qui veulent un chien beau. Il faut que le chien soit beau, il faut qu'il soit magnifique, il faut on est allé le chercher dans un lignée de beauté internationale, de chiens primés, il faut que le chien soit beau. Il faut que le chien soit intelligent. Je veux un chien intelligent. Et bon, moi, j'ai des anecdotes comme ça. Hein. J'ai eu parfois affaire dans des qui prêtent parfois à sourire intérieurement de gens qui voulaient un chien terriblement, terriblement intelligent. Ils l'ont. Sauf que vous vous rendez compte que ces personnes sont intellectuellement très limitées. Mais elle voulait un chien intelligent. Ça existe. Parce que elles vont chercher ce qu'elles n'ont pas. Et puis voilà le chien qui est les chiens de caste, le chien qui va, dont on sait que c'est un chien qui coûte très cher, dont on va insister sur le fait qu'on est allé le chercher dans un élevage où on l'a payé très cher. Et donc après la grande maison, la grosse voiture, le cheval, le gros chien qui coûte très cher. Voilà, ça c'est. Donc ça c'est pour tout ce qui est plutôt le côté pratico-pratique du chien. Voilà, de ce que les gens vont, pourquoi les gens veulent un chien. Après, une fois qu'ils l'ont, il y a le deuxième effet qui se coule. Il y a aussi les gens qui viennent en coaching et à travers leur chien. Elles viennent chercher quelque chose. Et là, c'est bien plus intéressant que tout ce que j'ai pu dire avant. C'est-à-dire que qui reste quand même très superficiel. Parce que, par exemple, je peux parler, j'ai parlé, donné en premier exemple le chien sportif, le sportif qui veut un chien pour faire du sport. Sauf que cette personne n'avait pas conscientisé que le chien, on l'entraîne, et plus on l'entraîne, et plus on augmente ses capacités, et plus le chien devient ingérable parce que on le fait devenir hyperactif alors qu'il ne l'était pas. Et du coup, vous avez à gérer ce chien-là, et la personne qui vous dit, je vous amène mon chien, il est hyperactif. Et vous, vous vous rendez compte que le chien ne l'est pas, en tout cas pas au terme du syndrome HAS, c'est un chien qui l'est devenu. Et là, vous parlez avec la personne et vous vous rendez compte que cette personne, en fait, elle a besoin que vous lui disiez, stop, on va apprendre à se calmer, on va apprendre à rien faire, on va apprendre à faire les choses calmement, on va apprendre à profiter de l'instant présent, on va apprendre à s'asseoir sur un banc avec son chien et à regarder l'étang, le ciel, les oiseaux. On va apprendre tout ça. Et la personne qui est là, en fait, elle vient chercher ça, son chien. Et au départ, elle a pris un chien comme ça, actif, qu'elle a rendu hyper actif. Mais au final, si vous regardez la personne, elle vient chercher quelque chose, elle vient chercher votre aide. Elle vient vous demander, sortez, elle a envie que vous lui disiez, sortez-moi votre chien, offrez-lui des promenades de qualité, mais soyez moins dans la quantité. Vous êtes dans la surenchère, dans la surstimulation. Vous êtes en train de vous surmener vous-même. Voilà, il y a cet exemple-là. Après, il y a aussi les personnes qui viennent parce que elles ont besoin qu'on les aide à lâcher prise. Elles sont dans le contrôle, elles ont des problèmes de contrôle, beaucoup. Ce sont généralement des personnes qui sont en gestion de beaucoup de choses dans la vie. À la maison, les enfants, au travail, le chien, et on contrôle tout. Et au bout d'un moment, on peut plus rien, on n'y arrive plus. On n'y arrive plus et on vient chercher le lâcher prise. On vient chercher le contact avec la nature aussi. On vient chercher le contact avec une personne qui travaille dehors, quel que soit le temps qu'il fait. On vient chercher une ouverture, de l'air, de l'oxygène. On vient chercher le fait de ne pas être à la maison. On vient chercher le fait pendant 2 heures ou 3 heures d'être en dehors de la maison avec son chien et quelqu'un d'autre, d'avoir la paix. On vient chercher, et il y a ça, il y a,
y a tellement, y a tellement de choses. Il y a aussi les gens qui viennent parce qu'elles veulent s'améliorer. Les personnes qui, les gens qui viennent parce qu'elles veulent travailler quelque chose chez elles, une émotion en particulier. Elles ne vous le disent pas. Hein. Attention, elles ne vous le disent pas. Je ne suis pas en train de vous dire que la personne va vous dire je viens avec mon chien vous voir parce que mon chien, en fait, en vérité, j'ai envie qu'on vous m'aidiez à travailler là-dessus. Non, c'est au fur et à mesure du coaching que vous comprenez tout ça. Par le, et donc oui, le chien est une aide. Bien plus que les aides que j'ai dit au départ, c'est le développement personnel. Mmh. Il nous amène à nous développer personnellement et à devenir une meilleure version de nous-mêmes. On ne change pas. Il n'y a personne qui change. On reste, mais on se maîtrise mieux. On se gère mieux. On gère mieux les situations. Et on est moins réactif nous-mêmes. Je rigole parce que j'ai un message d'Églantine qui dit pas besoin d'être âgé pour parler à son chien. Bon, voilà, le chien est un facteur de développement personnel. Mmh. Chez l'enfant, chez l'adulte, chez la personne âgée, à tout moment, voilà. C'est lourd à porter aussi pour lui tout ça. Ah bah ça oui, tout à fait, mais justement c'est aussi pour ça que je voulais t'entendre sur ça, parce que comme on avait dit précédemment, étant donné que tu articules beaucoup ton approche justement sur la compréhension de l'humain, c'est vrai que pour moi c'est l'humain, comme on disait, c'est primordial de le prendre en ligne de compte. Alors c'est vrai aussi que maintenant on prend beaucoup plus en compte tout ce qui va être les notions de bien-être, etc. Moi je sais que sur ma chaîne YouTube j'avais interviewé des kinésiologues animaux, des personnes qui font de la communication animale. Justement, toi, qu'est-ce que tu vas penser de toutes ces approches énergétiques, ces approches spirituelles, on va dire, ces approches qui vont s'orienter, enfin voilà, vraiment sur le facteur humain, sur le facteur émotionnel. Ben moi, je suis pour. Moi, je dis que je ne suis pas du tout dans la confrontation cognitiviste, behavioriste. On a tous quelque chose à apporter à son niveau, chacun avec ses compétences, chacun avec ses formations, chacun avec son vécu. Et il m'arrive moi-même de faire appel à un certain moment du coaching à la communication animale. Il m'est arrivé personnellement de faire appel à une énergéticienne pour ma chienne. Je suis favorable à tout ça. On est complémentaires. Et je ne suis pas pour le dénigrement. Après, que ce soit chez les comportementalistes, donc la sphère behavioriste ou la sphère cognitiviste, il y a des incompétents et des charlatans partout. Ah oui, tout à fait, tout à fait. Dans toutes les sphères professionnelles, parfois il faut faire un ou deux professionnels pour trouver le bon, pour trouver la personne compétente. C'est comme ça. Et ce n'est pas juste le lot des cognitivistes. Ce n'est pas des charlatans qui ne sont mus que par la volonté de tromper. Enfin, bon, il faut faire la part des choses. Il y a malheureusement des gens qui font une très mauvaise publicité à ces gens-là. Et forcément, comme à chaque fois, c'est la petite... comment dire, c'est la minorité qui émerge et oui, qu'on tout à retient. Fait. Tout à fait. Pour tous les autres qui savent faire et qui font avec beaucoup de compétences, de passion, et puis c'est pas facile, que ce soit chez l'un ou chez l'autre. Hein. Là, je parle des deux. Hein. Je suis pas... voilà. Enfin, je suis pas... je regrette qu'on se moque, qu'on dénigre les gens qui font de la médiation animale, les kinésiologues, les personnes, les énergéticiens, je sais pas, enfin, il y a quelques années, lorsque on a commencé, le clicker est arrivé, lorsque je me souviens à quel point on se moquait de nous, on nous prenait pour des uluberlus, des bisounours, bon, c'est encore le cas, hein. Oui. mais enfin, vous voyez, du coup, on essaye de ne pas faire ça aux autres. Du coup, aujourd'hui, les comportementalistes ne fassent pas aux cognitivistes ce que d'autres leur ont fait.
en le trouvant trop gentil, trop mignon, trop doux, trop compréhensif du chien, trop bienveillant. On n'est jamais trop bienveillant. Donc voilà. Et puis en plus, il y a aussi ça, cet argument aussi que ça me fait toujours rire de voir des gens qui disent oui, c'est pas prouvé. Oui. C'est pas prouvé scientifiquement. Mais ça ne sera jamais prouvé scientifiquement. On est dans une sphère, on est au-delà de la matière. C'est quelque chose qui relève de l'énergie, qui est une croyance déjà. Donc c'est une croyance. Et dire c'est pas prouvé, ça fait, on n'avance pas, ça fait avancer. C'est invérifiable. C'est quelque chose à jamais invérifiable. On est dans l'intangible. Et les gens, certaines personnes ont l'impression de sortir de la cuisse de Jupiter lorsqu'il dit, mais c'est pas prouvé scientifiquement. Ben non, c'est pas possible de prouver ça scientifiquement. Bah, tu vois, moi je me souviens en 2014, j'avais suivi une formation, enfin ma formation comportementaliste en l'occurrence, qui avait été donnée par le docteur Alain Weiss. Et donc lui, c'est pareil, il expliquait en 2014 qu'il n'était pas prouvé scientifiquement qu'un chien était capable de rêver. Parce que comme il n'y avait aucune étude scientifique, en fait scientifiquement on te disait, bah non, mais en fait un chien, bah on ne sait pas. Alors que tout le Il n'y a monde pas qui a un d'études. chien. Non mais ça, mais en fait comme t'as pas d'études qui ont été faites dessus, bah la science dit bah on sait pas. Ou bah alors bah Mais non, oui. c'est pas prouvé. Donc bon bah si c'est Mais pas oui. prouvé, c'est-à-dire que c'est faux, un chien n'est pas capable de rêver, alors que pourtant tous les propriétaires de chiens ont ça. Et avec les émotions, c'était pareil. Et c'était pareil avec le nourrisson. Et il y a encore, à l'échelle de. Enfin, on opérait les nourrissons sans anesthésie. Bien sûr. Tu te rends compte? Parce qu'on pensait que lorsqu'un nourrisson. Enfin, qu'il ne ressentait rien. Et, enfin, voilà, on a tout à apprendre. Enfin, on ne sait rien. Bien sûr. Et bien sûr que je laisse la part, cette part-là, exister et que je me pose des questions et que je l'utilise lorsque j'en ressens le besoin, que ce soit pour le chien de mon client à un certain moment où je bafouille parce que je lis en même temps, je vois qu'il y a des gens qui réagissent, du coup, j'arrive pas à faire les deux. Malheureusement, l'humain a plus facilement tendance à se moquer qu'à essayer de comprendre. Oui, bah, c'est Églantine. Non, c'est pas Églantine, c'est Ophélie qui dit ça. Mais oui, mais c'est bien plus facile. C'est bien plus facile de dénigrer, c'est plus facile de se moquer, c'est plus facile de dire que ça n'existe pas. Et puis voilà, et puis on continue notre vie. Mais en tout cas. Quand j'ai fait, alors chacun a ses praticiens. Moi, je fais appel à une ou deux personnes. Oui, tout à fait. Voilà, je ne l'ai jamais regretté. Il y a toujours quelque chose. J'apprends toujours quelque chose, une ouverture, quelque chose, une chose à laquelle je n'avais pas pensé. J'ai l'exemple, par exemple, d'une fois, donc en communication animale. Où le chien, en fait, ne comprenait pas, vivait comme une injustice de se trouver dans un enclos de sécurité. Alors, l'enclos en question fait 2500 mètres carrés, clôturé à 2,50 m pour les Malinois acrobates. Mais du coup, le chien le vivait comme une injustice et on n'avançait pas. Il ne comprenait pas pourquoi les autres chiens étaient de l'autre côté tous ensemble et pourquoi lui, il était là. À part une personne qui fait de la communication animale, c'est elle qui me l'a dit. Enfin, elle ne me l'a pas dit à moi, elle l'a dit à ma cliente. Je ne suis pas là, la séance se fait avec ma cliente. Et du coup, on a travaillé autrement, on a travaillé en dehors de l'enclos, dans un grand terrain vague, et on l'a sorti de l'enclos, parce qu'il le vivait comme une injustice. C'est pas juste, pourquoi? Alors, bah, on ne peut pas lui dire, bah, Coco, pourquoi tu es dans un enclos? Bah, parce que les chiens, si je te laisse les approcher, tu vas les bouffer. Donc pour l'instant, tu n'es pas prêt. Et lui, bah, il ne comprenait pas. L'enclos, il le vivait comme une injustice. Et du coup, à partir de là, il se bloquait. Et voilà. Et c'est elle qui a dit à ma cliente, je pense qu'il faudrait essayer de travailler autrement avec lui et de le sortir de cet enclos, même si cet enclos est très grand, lui. Il le vit comme une injustice et à partir de là, il n'arrive pas à passer au-delà. Voilà. Donc, ben, moi, ça m'a aidé. Moi, ça m'a aidé. Ça a aidé ma cliente et ça a aidé ce chien.
parce qu'on est sorti de l'enclos. Et en effet, le comportement était autre. Mais c'est aussi parce que nous, on est dans des schémas aussi où bah, on a l'habitude, on travaille, on commence dans des enclos parce que, ben, en tout cas, moi je fais ça parce que, bah, par sécurité, ne serait-ce que pour les chiens qui interviennent, ils ne sont pas là pour se faire mordre, même si le chien est muselé, une charge avec une muselière cage. Bon, voilà, on travaille avec de la sécurité, de la distance. Pour pouvoir faire de la communication à distance, le chien est en liberté dans l'enclos. Pour que lui, il se sente bien, hein, et qu'il n'ait pas. Et du coup, comme bah, moi j'avais l'habitude de travailler comme ça, j'ai pas pensé une seconde que ça lui posait problème d'être dans l'enclos. Ouais, mais après, comme tu dis, c'est très individuel, quoi. Tu peux avoir 50 chiens pour lesquels tu n'auras aucun souci, tu as un chien sur lequel ça va buter. Et après, oui, comme tu dis, c'est là que c'est très intéressant, bah, d'avoir d'autres alternatives. Mais ouais, c'est pour le coup, Oui. c'est un exemple flagrant. Voilà. Et c'est le genre de. Alors j'ai d'autres exemples, mais je ne vais pas tous les raconter. Et puis aussi, voilà, après, il y a la vie privée des chiens et des gens. Mais ça m'a toujours aidé. Je ne le fais pas à chaque fois, je ne le fais pas du tout pour chaque. Mais à chaque fois que je peine, que je ne comprends pas, je n'ai pas de problème à faire appel à une commune, à cette personne. Et je dis toujours à ma. C'est pas moi qui fais appel, c'est ma personne, Oui, bien c'est ma sûr, cliente la qui cliente. va, et je lui dis, ne lui dites rien. La personne, de toute façon, veut rien savoir. Elle veut pas, elle ne veut pas avoir les tues, elle n'a aucune information. Elle ne veut pas que la personne ne lui donne d'informations sur le chien. Et du coup, voilà. Et d'un autre côté aussi, j'invite les cognitivistes à ne pas dénigrer les comportements, les behavioristes, les comportementalistes, parce que j'ai aussi entendu ça de l'autre côté, en disant qu'on est trop terre à terre, qu'on ne prend pas assez en compte les émotions, la sphère, qu'on est trop. Chacun ses compétences, chacun sa manière de faire, chacun. Et en fait, on est complémentaires. On a besoin l'un de l'autre. Et en ça, voilà, tu m'as demandé, moi j'ai pas de problème avec cette approche-là. Moi je suis pour l'ouverture. Évidemment, parce que sinon. Ok, non mais c'était très bien. Après, je pense que voilà, ça a coulé de source quand on comprend un petit peu ta philosophie. Mais c'est vrai que le fait que tu le dises, le fait que des professionnels le disent, ça permet aussi justement, bah, voilà, de démocratiser, j'ai un petit peu cela, puisque moi je sais que pareil, j'ai des clients, quand ils me tendent un peu la perche, ou quand je sais, voilà, qu'ils sont un petit peu ouverts, parce que moi je sais que voilà, sur mon site internet, c'est quelque chose que je mets en avant, sur ma chaîne YouTube, bah, voilà, le fait d'avoir fait ces entretiens-là, moi je sais que les gens, bah, voilà, qui font leur petite recherche avant, savent que je suis intéressé sur ça, et c'est vrai qu'ils vont avoir tendance à me le dire, mais il y en a d'autres, quand ils te le disent, tu sens que c'est encore un peu. Tu vas avoir une sorte de gêne, alors que comme tu dis, en fait, c'est vrai que moi, pour moi, les gens qui vont avoir des problématiques spécifiques avec leur chien, plus elles vont essayer de choses, alors pas forcément mille et une méthodes en éducation, mais justement plus elles vont s'ouvrir de pistes via Mais la bien sûr. kinésio, via la communication animale ou autre, plus ça va être très intéressant, quoi. Mais bien sûr. C'est vraiment. On parle de médecines intégratives, mais dans un coaching, dans une rééducation, et même dans l'éducation, on parle toujours de rééducation, mais il y a l'éducation. Il ne faut pas avoir peur de s'entourer de plusieurs professionnels. J'ai beaucoup de clients de chiens réactifs qui font du man training avec mes consoeurs de Belgique, thérapeute et une fille parmi les louvettes, à qui j'envoie les chiens réactifs, parce qu'elle gère des séances de réactivité, elle gère des séances de man training, de thératraining, la thérapie par le man training pour des D'accord. chiens réactifs. Donc mes clients savent qu'ils sont là dans un milieu, parce que c'est ça aussi, c'est que les gens qui ont un chien réactif ont peur, Bien ne veulent sûr, pas faire bien d'autres sûr. activités à part leur coach, parce qu'ils disent, mais moi je vais arriver avec mon chien, il ne tolère pas ça, il ne peut pas faire ça, il ne peut pas faire ça. Donc en fait, là, on a deux personnes qui proposent des séances de man training pour les chiens réactifs. Et ça, je peux vous dire que c'est super, hein, parce que ça fait du bien au chien déjà de faire autre chose dans le cadre de sortir un peu du coaching et d'aller faire autre chose avec son humain. Sans moi, je suis pas là. Donc ça, c'est aussi pour l'humain, c'est qu'il est avec quelqu'un d'autre.
Et du coup, il faut vraiment avoir une approche du chien qui soit globale. Si on veut faire de l'éducation et qu'à côté on veut préparer le chien à faire de l'agility, bah, il faut aller voir un spécialiste de l'agility. Tous les éducateurs, pas des éducateurs sportifs, l'agility, il faut faire attention. Moi, je ne le fais pas, je ne fais pas d'agility. Je Oui, peux je faire un peu comprends. d'initiation au fitness, vite fait. Mais si je vois que la personne, elle veut vraiment aller dans le sport canin, je vais l'orienter sur Cynotopia ou je vais le. Enfin, il faut avoir une pensée vraiment intégrative des choses. Il faut s'ouvrir et c'est comme ça qu'on avance, c'est comme ça que le chien avance. Non, tout à fait. Bah écoute, on avait pris 30-35 minutes de retard finalement sur le direct. Donc je sais pas si tu veux qu'on passe à des questions ou pas, si déjà des gens auraient des questions, sachant qu'on n'est pas beaucoup forcément. On est quoi? On est On une est 20, vingtaine? 21 personnes, il y a une personne qui vient de quitter Ok. qui vient de partir. On est 20, 20, 21. Je ne sais pas si on est compté dedans. Je sais pas du tout. Je sais pas du tout. Je pense que si. Bah écoute, déjà toi, est-ce que tu aurais d'autres sujets à aborder? Est-ce qu'il y a des choses qui te tiennent à cœur? Ce serait que... Bah dans la continuité de ce qu'on vient de dire, moi j'ai tendance à conseiller, surtout en ce moment. Conseiller à tout le monde de s'éloigner de la pensée unique, hein, de ne pas répéter bêtement ce qu'on peut entendre, surtout sur les réseaux sociaux. Et à moins d'en être intimement convaincu en son for intérieur, de ne pas répéter bêtement ce qui est dit par les uns et les autres, parce qu'il y a vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup de bêtises qui sont dites. Je pense même qu'il y a plus de bêtises qui sont dites que de vérité. Et c'est vraiment un problème parce qu'aujourd'hui, avec les influenceurs et ces personnes Ouais, qui qui ne ne connaissent pas recherchent que grand-chose. la reconnaissance, le buzz, qui ne recherchent que la publicité, hein. Ce sont des pages qui sont monnayées, ce sont des gens qui font de l'argent, beaucoup d'argent, avec autre chose que le chien, avec vous. Avec vos clics, avec vos j'aime, et ils sont très nombreux et j'aurais tendance vraiment à faire attention à tout ça et à s'éloigner, à vraiment se poser les questions, à sortir du schéma et des modèles qu'on veut nous imposer, parce que c'est vraiment ça le danger aujourd'hui et aujourd'hui malheureusement ces personnes-là sont plus écoutées. Comme aujourd'hui, on écoute plus le particulier qui a élevé trois chiens dans sa vie, sa parole aura plus de poids que la mienne. Ça, je le vois sur ma propre page. Moi, ça, tant pis, hein, enfin, tant pis. Mais c'est un fait, il faut le savoir. Enfin, les gens sont prêts à écouter n'importe qui. N'importe qui. Attention à ça. On n'est pas nombreux, hein. Je pense que c'est vraiment un danger, mais pas seulement pour le chien, enfin pour le monde du chien. Les influenceurs sont importants aussi. Il y a des influenceurs qui jouent leur rôle et qui sont. Mais la plupart, ce sont des gens qui font de la pub. Je suis désolée, si c'est gratuit, c'est que le produit, c'est toi, C'est quoi. toi, tout à Enfin, fait. voilà. Et donc, c'est vraiment, voilà, Et puis de pas tomber dans le dénigrement systématique des professionnels qui travaillent, qui sont diplômés, qui sont. Même si la manière de faire n'est pas totalement comme la nôtre, et même. Enfin. Il y a là un marasme, on nous monte les uns contre les autres, et ce n'est pas du complot que de le dire, c'est un fait, il Oui, suffit de bien sûr. regarder un bouquin. Et je trouve dommage que ça existe. Voilà. Il y a des personnes qui réagissent. Demandez à Audrey s'il y a d'autres sujets à aborder. Ton live va durer une semaine. Ouais. Vraiment, c'est. Ouais. Ben, je ne sais pas. Merci, Moi, je David. vous propose.
Non, non, du mais écoute, coup. moi c'est déjà, enfin c'était déjà, c'est voilà, c'était déjà complet. Il est 22h30. Après, oui, moi comme je te disais, je tenais vraiment à faire ce live avec toi. Et une fois de plus, je te remercie malgré les conditions difficiles. Et je remercie une fois de plus les personnes qui nous suivent et qui voilà, qui regarderont cette vidéo en replay. Parce que voilà, comme tu dis, c'est vrai que sur les réseaux sociaux, même sur Internet, on trouve de tout et de rien. Dans certains livres, on trouve de tout et de rien. Et justement, on va savoir faire la part des choses, avoir vraiment quelques pages pro Facebook de qualité comme la tienne, c'est très bien. Avoir des livres qui soient très intéressants aussi, comme le tien est très bien. Savoir qu'il y a un tome 2 Non, c'est en pas un travail. tome 2, non, 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 c'est pas la suite, hein. Non, non, c'est autre chose, c'est vraiment autre chose. Ok, non, mais C'est. enfin, c'est quand même un livre dans l'éducation canine, j'entends bien que c'était pas la première partie, Ah la seconde partie. Oui, oui. voilà. Non, pardon, c'était ce que je voulais dire. Mais voilà, c'est vrai que comme tu dis, moi pour moi, voilà, les approches globales aident beaucoup plus, enfin beaucoup plus. Prendre en compte l'humain pour travailler le chien, pour moi c'est primordial. S'ouvrir à plein de spécialités, oui, et après voilà, comme tu dis, moi je te rejoins aussi sur ça. Vraiment voilà, une approche globale, une approche respectueuse, c'est vraiment ce sur quoi les propriétaires de chiens devraient se tourner. Oui, et puis lisez. Lisez. Lisez, Enfin, bien sûr. des livres. Là, cette année, moi, enfin, là, je suis en train de terminer le livre. Son livre est top, vraiment. Enfin, d'Elsa Weiss, de Cynopolis, dans la tête du border collie. D'accord. Il faut, faut. Enfin, je sais pas si. Même les gens qui n'ont pas de border collie devraient le lire. Parce que son livre il est limpide et ça il faut vraiment ça c'est un bon livre c'est en tout cas moi je l'ai trouvé bien écrit clair facile d'accès je regrette que certaines personnes le dénigrent certaines personnes qui s'attendaient à ce qu'on apporte des solutions clés en main Oui, bon. sur le border collie Comme tout hein. quoi. C'est ce genre de personnes qui viennent vous voir avec un border collie qui poursuit le mouvement et qui vous disent qu'il a des troubles du comportement. Ben non, non, ce n'est pas un trouble comportemental pour le border collie Mais de c'est naturel. conduire le mouvement, voire de diriger. Et en fait, c'est ce qu'elle explique très bien. Mais il y a encore une fois des personnes mal intentionnées qui disent que, bon, voilà, ben. Il faut le lire. Il y a aussi le livre de. Suis fatiguée, il est 10h30. Sur les signaux de communication De du Thuril Rugas. docteur. Non, Duranton, le docteur Charlotte Duranton. Pardon, ok, autant pour moi. J'ai voulu Le t'aider, mais tu livre restes sur tombé les à côté. signaux de communication est formidable. Ok. Avec des photos à l'appui, il est d'une clarté. Charlotte Duranton, la communication de mon chien. Ça, c'est vraiment super. Celui de Corinne, évidemment, Catherine Collignon, qui a sorti un livre aussi en début d'année, Catherine Collignon, sur l'éducation positive. Moins accessible, mais très intéressant. Voilà ce que je peux vous dire. Enfin, faut lire, lisez. Parce que vraiment, pendant des années, je n'ai pas fait de formation. Il faut faire des formations aussi. Hein. Je ne dis pas qu'il ne faut pas, Oui, faut bien que sûr. lire et pas faire les deux, mais lisez. Lisez les livres. On apprend tellement de choses qui sont. Enfin, lisez. Soutenez les auteurs. Oui, tout à fait. Non, mais alors ça, tout à fait. Et ouais, tu avais parlé aussi en début de vidéo des ouvrages du docteur De Haas. Oui, c'est vrai que c'est intéressant aussi. Ah oui, bah ça, oui, non, bah pour moi, enfin, évidemment, il faut tout sur la psychologie du chien, tout sur la psychologie du chat. Pour ceux qui ont un chat, son bouquin sur le chat, il est vraiment top. Mon chien est heureux Mais aussi, la petite version mon chat est heureux. synthétique. Oui, enfin, il faut lire le docteur De Haas. Il fait des séminaires aussi, enfin, des webinaires intéressants. Il y a plein de gens qui y réagissent. Attendez, il est difficile parfois de faire la part des choses quand on a un malinois réactif humain. On n'est pas du milieu. Alors certes, on lit, mais on rencontre des éducateurs aux méthodes différentes. On connaît des découragements et puis on avance. Bah oui, je sais.
Mais je pense que, sans faire de mauvaises comparaisons, hein, que des gens qui ont des difficultés avec leur enfant vont vivre le même cheminement en allant voir des pédopsychologues. Il y a le pédopsychologue qui ne conviendra pas, puis il y a celui qui conviendra, il y a celui qui aura la méthode qui convient aux parents, et puis il y a celui qui aura... Et puis un jour, on rencontre la personne qui a toutes les qualités et qui nous aide. C'est un cheminement, ça fait partie du cheminement. Oui, ouais, donc je sais un peu ce que je disais. Oui, voilà, que Emma Parsons avait eu un Golden Retriever réactif et elle avait rencontré beaucoup d'éducateurs et beaucoup de personnes pour la rééducation de son chien. On en avait écrit après un livre. Et le quatre chiens, hein, dont un qui a empiré terriblement le chien. Tout à fait, ouais. Ouais. Et c'est seulement après qu'elle a rencontré Karen Prior. Exactement, ouais. Voilà, et elle a réussi à rééduquer son Golden. Bah oui. Ouais, et ça a mis plusieurs années, mais après, comme on dit, voilà, tout est une question de parcours. De toute façon, voilà, si vous faites ce parcours-là avec votre malinois, vraiment courage dans tous les cas. Et voilà, de toute façon, de la bonne personne, elle existe. Mais après, ouais, comme on dit, il faut aussi faire ça. Ouais, j'ai refiling quoi. Après, multiplier, aller voir 10-15 personnes, c'est pas forcément le mieux non plus, parce qu'après, on va autant se perdre que perdre le chien. Mais dans tous les cas, ouais, vraiment faire. Y aller aussi un petit peu au feeling et faire confiance autant au chien, à votre chien qu'à l'éducateur. Oui, tiens, Audrey, connais-tu le livre de André Escaffre, Penser son chien autrement? Oui, je le connais, je ne l'ai pas lu, mais je le connais, okay. Bien sûr. Apparemment, livre qu'on a du mal à trouver en édition. Si tu veux, on va prendre un temps pour finir à pour répondre aux questions, parce qu'il y a des questions courtes qui sont posées. Quel livre tu conseilles? Donc ça, je l'ai dit. Mm-hmm. Elsa Weist, Dans la tête du Border Collie. Le livre de Catherine Collignon, L'éducation positive de mon chien. Le livre du docteur Charlotte Duranton sur les signaux de communication avec photographie à l'appui. Vraiment, il est vraiment top. C'est très clair. Les références du livre, de mon livre. Quelles sont les références du livre? Le chien, cet animal qui nous échappe, d'Audrey Ventura. Et il est sur Amazon ou dans les dépôts, sur la publication épinglée de la page Facebook, il y a la liste des dépôts français et étrangers. Il y a la page Facebook Sinoconsulte, donc de ta page Facebook. Sinoconsulte, oui, pardon. Sinoconsulte. Envisagez-vous de proposer des formations à l'avenir? Non. Je transmets autrement. Je participe à des séminaires quand on m'invite. Au mois de janvier, là, je donne une conférence dans le Pas-de-Calais sur les émotions, les humeurs. Donc là, quand on m'invite, oui, je comme en Suisse, où je l'ai fait par le passé dans certaines SPA, sur la théorie de la dominance, tout ça. J'écris. Je transmets beaucoup par l'écriture sur le blog, sur la page Sinoconsulte. Je compte, là, donc je travaille sur un deuxième livre, et puis un troisième probablement ensuite. Je me rends disponible, beaucoup d'éducateurs professionnels, par entretien individuel, on prend des rendez-vous, et l'éducateur m'expose des difficultés qu'il a dans son métier, ou avec un chien en particulier, et on en parle, et donc là, c'est une... Donc ça, je le fais, c'est quelque chose que je fais souvent avec des éducateurs professionnels qui souhaitent me rencontrer en visio. Mais des formations, non, je ne le fais pas. Voilà. Il est difficile de faire la part des choses, donc ça va, je dois y aller. Ok, bye bye. Au revoir. Avez-vous des personnes qui pratiquent la communication animale à recommander? Les personnes dont je parlais tout à l'heure, les deux personnes dont je parle tout à l'heure, sont deux personnes qui ne souhaitent pas qu'on leur fasse de la publicité. Ce sont des personnes qui travaillent par le bouche à oreille. Voilà. Et pour les deux, la personne énergéticienne dont je parlais, c'est pareil. Donc, c'est souvent le cas, je dois dire, c'est souvent le cas de personnes qui ne vont pas vouloir qu'on parle d'elle sur les réseaux, pour des raisons qui les regardent.
Et si, Mais c'est si. pour moi un gage de sérieux, Oui. et d'humilité, de sérieux et d'une. Voilà. Enfin, donc, mais la difficulté, je le reconnais, c'est que du coup, on peut pas les. Enfin, je ne peux pas vous recommander comme ça des personnes. Ou alors. Mais si je dis en MP, vous allez tous m'écrire pour me demander le contact. C'est ça. Mais après, oui, moi, si je peux me permettre, moi, pour connaître aussi quelques personnes vraiment qui font ça, enfin, j'en connais deux ou trois, mais qui ont vraiment, alors on va pas appeler ça des dons, mais c'est vrai que c'est Non, des. c'est pas un bon, Oui, attention. voilà. Mais on va dire, c'est vrai que moi, les personnes vraiment que je connais qui font ça, voilà, c'est des personnalités, enfin, comment dirais-je? Enfin, moi, les trois personnes que je connais, en tout cas, qui font ça très très bien, c'est des personnes qui sont assez hypersensibles. Et comme tu dis, c'est vraiment pas des gens qui vont se mettre en avant. On retrouve Voilà, ça, voilà, exactement. Exactement. il y a pas de marketing. Enfin, moi, en tout cas, une fois Ne veulent plus, pas les. s'exposer. Voilà, tout à fait. Elles ne veulent pas s'exposer et elles ne travaillent pas dans la surenchère. Ce sont des gens qui ne recherchent pas, alors elles se font payer bien sûr, hein, mais elles n'en vivent pas. Ce n'est pas du tout leur activité et principale ni secondaire, enfin c'est une activité à côté, voilà, petite activité. Elles se protègent. Ce sont des personnes discrètes qui souhaitent travailler dans la discrétion et qui ne souhaitent pas s'exposer pour des questions de grande hypersensibilité. Tout à fait. Voilà. Et en général, elles ont raison. Elles ont bien raison. Voilà. Donc, c'est la difficulté, c'est que on va pas pouvoir du coup parler d'elles sur une page Facebook où il y a 25 000 personnes. La dernière chose que les personnes veulent, c'est être contactées par des dizaines de personnes en même temps. Il y a une énergie aussi qui est donnée et Tout à qu'on peut fait. pas récupérer tout de suite aussi. Hein. C'est Il y a ça. ça. Hein. L'énergie qu'elles donnent, elles la perdent. Elle ne la récupère pas tout de suite. Mais après, voilà, le bouche à oreille, bon, c'est vrai que, voilà, on disait avec les réseaux sociaux, vous avez quelques petits groupes privés Facebook, vous avez vraiment même, voilà, enfin, il y a des possibilités de trouver des noms, des personnes, ne sont pas forcément très loin. Mais voilà, après, j'irai une fois de plus, enfin, voilà, comme dit Audrey, enfin, puis comme je disais aussi, c'est des choses qui se disent pas forcément. Une fois de plus, les personnes qui vont se mettre en avant, bah, quoi qu'il y en a, qui écrivent des bouquins et tout, qui sont très 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 bons aussi. Mais dans tous les cas, voilà, le bouche-à-oreille, ça peut se trouver quand même, je dirais, assez facilement en faisant, voilà, ces petites recherches. Il y a quand même un certain nombre de personnes qui le font, même si ça se dit pas. Mais c'est comme les rebouteux, quoi. Il y a des rebouteux un petit peu, voilà, je dirais, un peu partout. Ils Bien vont pas sûr. se mettre sur Google, mais ça peut se Oui. trouver en tout cas. Ça peut se trouver assez facilement. Voilà ce que je peux dire. Je pense qu'on a fait le tour. Qu'en penses-tu, Romain? Mais oui, c'est très très bien, c'était parfait. Bon, En tout c'était parfait cas, hormis les conditions. je tenais à te remercier pour cette initiative et aussi remercier toutes les personnes qui sont restées. Même si on en a perdu en cours de route, vous êtes restés. Donc c'est vraiment chouette. Voilà, juste vous dire merci. Merci de d'avoir été là. Bah écoute, merci à toi, merci à tous. Et une fois de plus, voilà, cette vidéo est enregistrée là en streaming. J'en ferai une rediffusion en floutant évidemment, voilà, les identifiants, les photos, pour que ce soit relativement anonyme. Je laisserai le chat peut-être, mais voilà, il y aura tout le replay qui sera accessible sur ma chaîne YouTube de façon ultérieurement. Puis je te renverrai le lien aussi, de toute façon, toi Audrey, si tu voudras le Ouais. repartager. En tout cas, merci à tous, merci Audrey, puis bah, à une prochaine, ma foi. Bonne soirée tout le monde. Prenez soin de vous, au revoir.